Danny, c'est le jour, c'est le jour. Lève-toi, Danny, lève-toi, sinon nous serons en retard pour la gare. Oui, oui, Missy Fu, je suis debout. Danny, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a la gare. Cours, cours, Danny, de peur que nous manquions le train. Ne t'inquiète pas, Missy Fu, le train n'est pas encore arrivé. Je suis juste nerveux. Cette année, je ne le manquerai pas. Missy Fu, assis-toi et ne te laisse pas distraire. Sinon, tu rateras encore le train comme chaque année. Et tu ne connaîtras pas le monde magique. Oui, oui, Danny, je vais rester ici. C'est ennuyeux. Je m'ennuie. Miaou. Allons-y, Missy Fu. Missy Fu, où es-tu? Missy Fu! Danny! Aide-moi! Non! Je vais le réparer avec de la magie. Très tristras! Oh, comme c'est bizarre. Quelque chose a échoué. Ne t'inquiète pas, Danny! Cours, Missy Fu! Cours plus vite! Tiens. Ah, je pensais que je n'y arriverais pas. Ne t'inquiète pas, Missy Fu. Tu es déjà dans le train, en route vers le monde magique. Regarde, nous arrivons dans le tunnel. Il me semble que quelque chose a raté. Bienvenue dans le monde magique, Missy Fu. Regarde, Danny, des éléphants qui jettent des bonbons. Ouvre la bouche. Ils sont délicieux. Quoi, Danny? Ce sont des épis de maïs. Regarde ce qui se passe lorsqu'ils s'approchent des fleurs solaires. Oh, salut, popcorn volant! Missy Fu, prépare-toi. Nous allons traverser un orage. Danny, on coule! Ne t'inquiète pas, Missy Fu, c'est une pluie magique. On peut respirer dans l'eau. Quel mignon petit poisson! Ça a été super bizarre! C'est le monde magique. Salut Lily. Salut les amis.
Comment es-tu arrivée si tôt, Lily? C'est juste que j'ai pris le premier train, Missifu. Lily, tu veux venir avec nous? Oui! Tani, pourrais-je aller voir le monde magique? Bien sûr, Missifu, mais ne te perds pas. Il y a le magasin du chaudron. Allons-y, Lily. Je vais au magasin de bonbons. Waouh ! Il y a plein de bonbons ! Voyons quel goût ça a. Salut, je suis bleu. Voyons ce que fait le rouge. Ah ! Des cœurs ! Que se passerait-il si je mange le jaune ? Oh ! Quelle chaleur ! Je vais manger le noir pour redevenir moi. C'était marrant. Youpi, ouh, ouh. Que faites-vous? Missifu, si vous atteignez le gros nuage, vous obtiendrez le prix magique. Cela semble facile. Petit Missifu, tu y es presque. Je vais là-bas. Je l'ai. Je l'ai. Je ne peux pas le croire. C'est un billet de retour vers le monde magique. Allez, Missifu, il est temps de rentrer à la maison. Allons-y, les amis, sinon nous allons rater le train. À la maison. Missifu, ça t'a plu? J'ai adoré. Tani, Tani, jouons au ballon. D'accord. Youpi ! Attrape. Youpi ! Vas-y. Youpi ! Nous n'avons plus de ballon. C'est bon, Missifu. Nous allons en acheter un autre à Maginette. On veut une balle, Maginette. Chapeau non. Baguette non plus. Ballon, oui. J'aime bien celui-là. Il est sympa. Une balle. Missifu, achète-le. Je vais boire de l'eau. D'accord, Tani. Je pense qu'un seul ne suffira pas. Votre commande est arrivée. Youpi! Allons jouer. Votre commande est arrivée. Vous en avez reçu beaucoup. Bien, bien, ils arrivent. Qu'as-tu fait, Missifu? Où es-tu, Tani? Missifu, Tani, voulez-vous sortir et jouer? Youpi! Ce que c'est drôle! Ah, au secours!
Oui, aïe, oui, aïe, oui, aïe. Youpi, youpi. C'est quoi tout ce bruit? Monsieur Moning! Une piscine à balles! Monsieur Moning, avez-vous une invention pour le résoudre? Et pourquoi n'utilises-tu pas ta magie, Tani? Je l'ai perdue entre les balles. Je vais voir ce que je trouve. Ici, j'apporte un super aspirateur qui aspire tout et ne se remplit jamais. Cool! Une, deux, trois... Ah, Tani! Ah! Aïe, aïe, aïe! Nous sommes deux! Ah! Lily! Oh! Où se sont-ils cachés? Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'ils se sont cachés ici? Ah! Salut les amis! Regardez ce que j'ai trouvé! Ah! Oh non! Les balles se sont échappées! Ne vous inquiétez pas, avec la baguette magique, je vais le résoudre! Tres, tris, tras! Toutes les balles ne feront qu'une! Allons jouer! Youpi! Et n'oublie pas de partager! Miss Ifu, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, Tani! Salut les amis! Regardez, c'est Flippy, mon animal de classe. Qu'il est mignon! Ah, j'ai une idée. Pourquoi n'irions-nous pas au fond de la mer pour voir les petits poissons? Youpi, youpi! Je trouve que c'est une excellente idée. Allons-nous plonger? Non, non, je n'aime pas l'eau. Non, maintenant vous allez voir. Un sous-marin apparaîtra. Oh! Entrons! Fermeture des portes. Lily, regarde! Flippy! Bonjour, petit poisson. Regardez, les amis, une méduse. Bonjour, madame la méduse. Ici, vous pouvez aussi voir le petit poisson. Oh, quel petit poisson! Qu'il est mignon! Je veux regarder aussi! Lily! Dis, est-ce que je peux? D'accord, Miss Ifu. Et en attendant, je vais conduire le sous-marin. Tani, Tani, puis-je conduire le sous-marin? S'il te plaît, s'il te plaît! D'accord, mais il faut être très prudent. Oui, oui, oui! D'accord, Lily, prends la barre. Youpi! Tu le fais bien, Lily! Je pensais que ce serait plus amusant. Et si on allait plus vite? Non, non, Lily, non! Lily, stop! Qu'as-tu fait, Lily? Désolée. Nous coulons. C'est bon, les amis. Maintenant, on va se transformer en poisson et on va donc continuer l'aventure au fond de la mer.
Stress, Tris, Tras, Lily, Tani et Missifu se transformeront en poissons. Ah, oh, c'est super amusant! Oui, c'est plus amusant que de conduire un sous-marin. Regardez les amis, il y a un crabe. Et regardez comment il marche! C'est bizarre qu'il s'enfuit. Regarde, regarde combien de poissons nagent! Rapidement, rapidement, évasion, évasion! Mais pourquoi tout le monde est-il si pressé? Courez les amis, allez, courez! Entrez dans cette grotte. Quelle chance nous avons eue d'échapper aux requins. Tani, tes yeux me regardent! Où ça? Très, Tris, Tras, les petites lumières s'allumeront. Salut les amis, et que faites-vous ici? Nous avons échappé à un requin qui nous poursuivait. Et heureusement, nous avons pu entrer dans cette grotte. Mais ce n'est pas une grotte. Et qu'est-ce que c'est? C'est la bouche d'une baleine. Hein? Et comment pouvons-nous nous échapper? Chatouillez-la. Hein? Que se passe-t-il? On veut sortir, madame la baleine. Oh, je ne savais pas. Je vais vous sortir tout de suite. Wow! Ah! Le requin nous attend en bas. Nous devons trouver une solution. Je sais. Très triste. Un bateau pirate apparaîtra et nous sauvera du requin. Maintenant, nous sommes des pirates. Tani, ce bateau est très beau, mais comment fait-on pour le faire naviguer? Eh bien, je ne sais pas, Missifu. Et regardez, les amis, j'ai un nouvel animal nommé requin. Quoi? Oui, regardez-le. Miam, 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 c'est délicieux. Il ne voulait pas nous manger. Ah non. Non, il voulait juste mes cookies. Maintenant, ça va nous aider. Requin, emmène-nous à la plage. Allons-y, miam, 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 miam. Allons-y, miam, 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 miam. Oh, quelle chaleur! Déjà, je vais gonfler la piscine. La 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 la. Petite maison, je rentre. Lily! Ouh, comme c'est doux. Qu'est-ce qu'on va faire? Sauter! On ne peut pas sauter, Lily. C'est trop haut. Missifu! Missifu! Hein? Nous sommes ici! Aide-nous à descendre. J'ai une idée! Trampoline! Oui! Oui! Ah! Oh,
ce soit une bonne idée. Oui. Aïe. Oui. Aïe. Oui. Je suis arrivée. Et maintenant, comment on descend? Missifu, il n'y a aucun moyen de descendre. Quoi? Et en plus, c'est super haut. Réfléchissons. Que pensez-vous si nous soufflons pour déplacer le nuage? D'accord. Ça ne marche pas, Tani. Je suis fatiguée. Moi aussi. Et moi aussi. Youpi! Quelle est cool cette invention! Trop bien! Monsieur Monil, aidez-nous! Je viens, les amis, je vous sauve! Bon, bon, nous sommes sauvés! Allons-y, les amis! Heureusement qu'on peut descendre. Comme ça va lentement, de cette façon, ça ira plus vite. Vous n'avez pas aimé? Ah, j'ai la tête qui tourne. Et n'oublie pas de t'abonner. Je m'ennuie tellement. Voyons, voyons. Que pourrais-je faire? Ah, je m'ennuie. Un livre d'histoire. Voici un arbre, une pomme, une carotte, c'est ça. Oh là 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 là. Petite araignée, jouons! Hein? Non, je n'en ai pas envie. Oh. Yeah! Un chewing-gum! Miam, 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 miam. Juste un de plus. Miam, 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 miam. Oh! Mes dents sont toutes collées maintenant. Je vais faire une grosse bulle, puis mes dents vont se décoller. Est-il arrivé? Tani, aide-moi, je t'en supplie! Enlevons toutes ces choses étranges. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Oh non! Je vais trouver une solution, ne t'inquiète pas. Peignon, peignon, Missifu, ce sera un beau chat minou. Attends, qu'est-ce que tu fais?
Eh bien, je te peins en noir, donc tu as la même apparence qu'avant. Tani, tu peux juste utiliser ta magie. Ah, mais le problème, c'est que j'ai oublié ma baguette magique à l'école. Quoi ? Oh, j'ai une bonne idée. Appelons Lily. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Miroir, miroir sur le mur. Peux-tu, s'il te plaît, appeler Lily pour moi? S'il te plaît. Bonjour, bonjour. Salut, Lily. Missifu, adorable petit chat. Mon Dieu, que t'est-il arrivé? Lily, c'est une très longue histoire. Nous allons avoir besoin de ta baguette magique. Pas de problème, je la porte tout de suite. La, la, la. Petite baguette, la, la. Oh. Qu'est-ce qui est si drôle? Oups! Bye les amis! Je dois y aller maintenant! Bye! Maintenant, qu'allons-nous faire? Je n'en ai aucune idée, Tani! Regarde là-bas, Tani! Tu as un nouveau message! Ça vient de l'école. J'espère que c'est ta baguette magique. Youpi! Abracadabra, Missifu et Tani redeviendront normales. Aime et abonne-toi.